Fortnite m'a envoyé une invitation pour un tournoi exceptionnel. Il y a 100 000 $ à gagner, bordel. Je vais enfin être remboursé de tous les V-Bucks que j'ai dépensés sur Fortnite. Allez, on va en discuter tranquillement. On va se lancer une petite game en solo. Et juste avant de partir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et aussi à vous rendre dans la boutique Fortnite et à entrer le code créateur LEN en majuscule ou en minuscule. C'est la même chose. Acceptez, c'est totalement gratuit à faire. Ok, les gars, on est tout de suite parti pour la petite game. On va spawn à Salty, c'est la plus grosse ville là après le bus. Donc normalement on est censé avoir du monde. Comme d'hab, on va passer le spawn tranquillement. Et après on va un petit peu discuter là de ce fameux tournoi. Oh, déjà j'ai le coffre les gars, c'est en exclusivité. Alors attends, parce que là toi t'es sur mon coffre à moi. Non mais voilà, ça c'est à moi, merci. Regarde, regarde. Oh non, le pauvre c'est un bot les gars. Ça c'est un bot, c'est sûr. Ah mais en fait non. Mais en fait non, mais il m'a brain. Mais il fait quoi ce fou? Mais c'est une boche le gars. Mais quelqu'un l'attrape, wesh. Mais il est où? Mais il m'a fait peur cet idiot là. Waouh. Eh, j'avais pas capté qu'il était encore là. Je pense qu'il était parti. Ça faisait 3 quarts d'heure que je l'entendais plus, wesh. Mais c'est la guerre les gars, Salty. Bienvenue dans les games au niveau 300. Toutes mes games c'est comme ça les gars. Aucune peine. Y'a aucune peine dans mes games. Get le lui. Oh bah get le. Bah il a plus de shield d'un coup. Si le mec derrière là il décide de me jouer, je suis dans la sauce hein. Sachez-le. T'es mort, ta grosse tête, t'es mort. Voilà. Je sais qu'il y en a encore un les gars. Je vais pas me faire berner, je vous le dis, ça marchera pas. Ça pète. Ah what? Ça tire pas. Ouais, ça a pas tiré, mon pop, il a pas voulu tirer. Bon, il a fait grève. Mais y a pas de grève ici, frérot. Tire la prochaine. Oh, il est malade, il a fait me faire tuer, wesh. Normalement, je dis bien normalement, on est tranquille pour Salty Springs, les gars. Bon, parlons un petit peu du tournoi, les gars. J'en profite là pendant quelques secondes déjà qu'il y ait personne dans la ville. Alors, déjà, il faut savoir que c'est un tournoi qui va se dérouler jeudi 19 de 18h à 21h30 à peu près. Donc là, c'est dans. Bah, c'est dans 3 jours en fait. Voilà, c'est dans 3 jours. Donc, du coup, ce sera sous forme de live. Donc, moi, je serai en live, voilà, par de 17h45 je pense à peu près, quelque chose comme ça. Alors il faut savoir que c'est un tournoi qui est totalement réservé aux entre guillemets influenceurs. J'aime pas dire le mot influenceur parce que voilà, bref, je sais pas, j'aime pas dire ce mot. On va dire youtubeur slash créateur de contenu. Donc côté français, nous on est 4 à être invités. Donc étant donné que ça se déroule en duo, moi je vais vous dire avec qui je suis en duo avec Blackbird, donc je pense que vous connaissez aussi. Alors faut savoir que l'autre duo, je sais qui c'est, mais moi je révèle pas qui c'est. Enfin si vraiment ils veulent le dire, bah ils le diront. Alors du coup, comment ça va se dérouler, surtout c'est quoi? Attends. Ah oui. Le truc de Galactus là, tu veux pas l'attaquer un peu frérot? Voilà. Regarde, moi je vais avancer, Galactus, il va m'attaquer, c'est bon ou pas? Mais tu vas où frérot? Mais reviens là, mais... Alors toi? Oh non, il vient me jouer, mais... Mais quel foutard est malade, hein. Pourquoi tu vas pas jouer l'autre? Voilà, déjà ça c'est fait, merci. Voilà, merci, au revoir. Donc je disais, quels sont les avantages de pouvoir participer à ce tournoi? Alors déjà, faut savoir qu'il y aura 100 000 $ qui vont être en jeu. Bon, 100 000 $, t'as vu, je te fais pas un dessin, c'est juste énorme. Faut savoir que c'est pas 100 000 $ pour le premier. Pour la première équipe, étant donné que c'est en duo, ça partagé à deux, ça va être 24 000 $. Mais c'est quand même déjà énorme. Ensuite, pour les derniers, ça va être 2 000 $. Donc c'est-à-dire que même si entre guillemets, tu... fais moins bon résultat de la souris, tu repars quand même avec 2 000 $ à partager à deux. Donc ça fait quand même... Il est où lui? Ça fait quand même 1 000 $ chacun, ce qui en soi est quand même déjà pas du tout négligeable. Voilà. Ouais, moi, bien sûr, moi je joue comme ça, je m'en fiche moi. Frérot, tu veux pas mourir s'il te plaît? Voilà, merci. Non, mais à un moment donné... Eh, ils font chier, là, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont, tous, là? Laissez-moi tranquille, bordel. Donc, pour ce tournoi, faut savoir, étant donné que...
dégage, dégage, dégage ta grosse tête, dégage ta grosse tête. Il faut savoir, étant donné que c'est pas du tout un tournoi de joueurs pro, vous l'avez compris, c'est un tournoi en mode KO Marvel. Donc je pense que vous connaissez ce mode. Voilà, c'est le mode de jeu spécial uniquement avec les pouvoirs de Marvel. Oh punaise, j'en peux plus les gars de me faire jouer, mais j'en peux plus. Hein. J'ai l'impression que je suis en arène avec 39 000 points. Hein. Étant donné que c'est un mode de jeu un petit peu fun, on va dire que ça laisse la chance à un petit peu tout le monde, voilà, de pouvoir faire des performances. Alors à titre indicatif, faut savoir que moi par exemple, il me suit en plus. C'est sûr que j'ai dragué sa soeur sur Insta. Oh! Oh! Guette la gueule qu'il a. Guette. Oh! Ça touche! Ah, j'ai pas réussi. Bon, allez, tant pis, je m'arrache. Oh, attends, il est là. Ah! Non! Non, Théo, non! Oh, j'ai peur. Oh, j'ai peur. Bref, allez, allez, je m'arrache. Même s'il a une balle, les gars, tant pis. La semaine dernière, j'ai fait, vous savez, le tournoi spécial Black Widow. Où on avait du coup la possibilité d'avoir le skin, étant donné que c'était justement dans le mode de jeu KO Marvel. Donc, je l'avais fait avec une Kunoma skin. On avait fait top 600, je crois, étant donné qu'on avait débloqué le skin. On s'était pas trop mal débrouillé. Donc, en vrai de vrai, les gars, je vais pas vous mentir. Dans ce mode de jeu, moi, je suis plutôt à l'aise. Je dirais pas non plus, voilà, je suis pas le meilleur joueur, t'as capté. Mais on va dire que je suis plutôt à l'aise. Donc, franchement, je pense qu'on peut plutôt bien se débrouiller. C'est la première fois que je vais être invité à un truc, bah voilà, aussi important, parce que du coup là c'est vraiment en mode compétition un petit peu entre influenceurs européens. Donc vraiment il y aura des Allemands, des Espagnols, des Français, il y aura de tout. Donc franchement c'est plutôt intéressant, ça fait plutôt plaisir d'être invité à ce genre d'événement. On va prendre le petit lama. À tout moment il y a un mec, il me saute dessus les gars, je suis pas prêt hein. Non mais ils me font trop trop peur hein. J'allais dire là, y'a un gars là. Oh. Allez hop, une petite papouille était morte. Oh, j'ai fait prendre une balle de snipe. Mais c'est ce que je vous dis les gars, on peut jamais être tranquille. Allez, là-bas le filou. Oh. Voilà. Je pense pas que j'arriverai à faire plus de dommages les gars. Mais déjà on s'en sort pas trop mal là. On a mis des bons dégâts. Hé filou, tu crois que je te vois pas là? Tu crois que je te vois pas avec ta grosse tête hein? Attends, là, il y a un gars, là. Pas rêver, là, il y a un gars en dessous de moi, là. Je suis pas bourré, bordel, il y a un gars, là. Attendez, je vais aller le laisser jouer le colis. Allez, Loulou, va jouer le colis, je sais que t'as envie de le jouer. Oh, c'est beau. Ah, c'est servi, ça, c'est servi, tu vois. Même lui, là, regarde. Bon, je le touche pas. Range ton snipe, frérot. Je le savais, je savais. Hop là. Il y a toujours le gars en dessous de moi. Pas un gars là qui rota là, qui est un peu en retard là, comme moi à l'école. Yet, il est toujours là. Filou va. Je me montre pas, c'est mort. Ok, je vais faire cramer un matelas. Non. Frérot, arrête, fais plus jamais des trucs comme ça. Non, c'est mort, j'ai pas envie de me faire tuer en premier là. Genre c'est, ça fait 3 quarts d'heure que moi je suis ici les gars. C'est eux qui abusent, c'est eux qui doivent mourir, c'est pas moi. Il y a 3 fous en dessous de moi, hein. Il y en a 3 en dessous de moi. Il y a juste le gars là, qui est devant là tout seul. Voilà, c'est bon, tout le monde s'y met sur lui. Comme ça, on va s'en débarrasser. Voilà, comme ça, on s'en débarrasse. Allez, c'est parti, on se met à deux sur lui. Allez, c'est parti, on y va. On va lui cramer tout son build au loulou. Je m'en fiche d'avoir le kill, moi, je veux juste faire le top 1, les gars. C'est comme ça, les gars. Ah, l'enfoiré, quoi, il m'a quand même touché. Ah, toi, c'est mort, toi, je t'explique, toi, tu montes pas, en fait. Voilà, ça touche un peu. Voilà, ça meurt un peu. Oh, il m'a fait peur. Il va pas prendre le loot dans la zone, les gars. Non, mais s'il joue pas loot, il est mort, les gars. Non, mais ça y est, le gars, il a récupéré 700 de build ou c'est comment, là? Voilà. Allez, hop, allez.
Allez, ça, ça dégage. Merci à tous. Bonne journée. Voilà, c'est bon. On va faire pareil au tournoi, les gars. On va tous les atomiser comme ça. Pareil. En tout cas, voilà, les gars. On arrive désormais à la fin de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire. Voilà, est-ce que ça vous intéresse ou non de voir ce tournoi? En tout cas, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à poser le petit like des familles, à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous laisse là. Je vous donne rendez-vous demain 20h comme d'hab pour une toute nouvelle vidéo. Bonne soirée à tous. Peace.